Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de l'importance de mieux se connaître et de mieux écouter son corps. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment mieux se connaître et comment faire pour mieux écouter son corps. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. Candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ça va être une vidéo qui va être assez rapide puisque les points sont assez faciles à énumérer. Donc comment faire pour mieux se connaître, pour apprendre à mieux se connaître et à mieux écouter son corps? Ça va être notamment par la méditation, le yoga. Le fait de faire des séances de yoga, vous allez apprendre à mieux vous connaître parce que vous n'êtes pas sans savoir que le yoga se pratique vraiment en ayant vraiment un recentrage sur soi. On ne s'occupe pas de ce que font les autres, on s'occupe vraiment de soi, de son corps, de son esprit, de sa respiration. Donc le fait de faire des séances de yoga, vous allez petit à petit apprendre à mieux vous connaître, à mieux connaître votre corps, à connaître, bah, savoir quelle posture vous convient le mieux, quelle posture vous convient un petit peu moins. Alors il y a des postures qui vont vous plaire et d'autres qui vont moins vous plaire, ça va être plus, on va dire, du facteur de l'affect. Il y a des postures également qui vont être plus faites pour vous, vous allez être plus à l'aise parce que votre physiologie vous le permet, et d'autres un petit peu moins. Donc voilà, il faut faire un petit peu la différence entre les deux. Bon, souvent les postures dans lesquelles on est plus à l'aise de manière physiologique, vous allez plus les apprécier de manière naturelle au niveau de l'affect, et puis voilà, les postures où vous allez plus avoir un petit peu plus de mal en termes de physiologie, vous allez un petit peu moins les aimer au niveau de l'affect également. Mais il faut trouver la balance et essayer d'apprendre justement à mieux vous connaître à ce niveau-là. Donc le yoga va vraiment vous aider à mieux vous connaître, à mieux connaître votre corps également, à prendre conscience de votre corps et de tout ce qu'il est capable de faire. Parce que des fois, on a des blocages, on se dit « mais je suis incapable de le faire ». Et puis en fait, quand on essaye, des fois on n'y arrive pas, mais des fois on n'est pas très loin non plus. Donc du coup, voilà, c'est important de faire confiance à son corps et de s'écouter. Des fois, éviter de trop s'écouter et d'écouter en fait ses peurs, et apprendre à écouter plutôt les sensations dans notre corps plutôt que nos peurs qui parlent. La méditation va également venir vous aider à mieux vous connaître, parce que vous allez vraiment, dans la méditation, vous recentrer. Vous allez vraiment prendre du temps pour vous. Vous allez venir vraiment intérioriser en fait tout ça. Vous allez un petit peu vous glisser à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre tête. Donc ça va venir vous apprendre à mieux vous connaître et à prendre du recul sur certaines situations, et peut-être prendre conscience de certaines choses et venir débloquer certains blocages que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, de votre esprit, de votre corps. Pour mieux vous connaître, vous pouvez également faire n'importe quelle activité, pas forcément du yoga, pas forcément de la méditation, n'importe quelle activité qui vous font du bien. Ça peut être, comme je vous disais dans la précédente vidéo, où on abordait à peu près ce sujet-là, donc c'était l'importance de mieux se connaître. Faire des activités comme faire du coloriage, comme faire de la cuisine, prendre un bain, faire un masque, vraiment une activité qui vous fait du bien à vous seul, et pas qui fait du bien aux autres ou autres. Essayez à ce niveau-là d'être un petit peu plus égoïste, entre guillemets, pour vraiment prendre du temps pour vous et apprendre à vous faire du bien. Donc essayez de prendre de manière assez régulière du temps pour vous, mais du temps pour vous seul, où vous n'êtes pas accompagné de différentes personnes de votre entourage, que ce soit la famille, les amis ou même des collègues de bureau, etc., des collègues de travail plutôt. Essayez vraiment de faire des activités seules. C'est pas forcément aller manger au resto ou autre, c'est vraiment ne serait-ce que prendre un bain de 20 minutes, une demi-heure, et vous vous retrouvez dans votre bain tranquille
Alors, essayez de le faire sans série. Des fois, ça peut être bien de regarder un film ou une série lorsqu'on est dans le bain, mais essayez des fois aussi de prendre des moments où vous coupez un petit peu de tout. Vous coupez des réseaux, vous coupez la télé, les séries, les podcasts, la musique. Vous coupez vraiment tout. Ou alors, si vous mettez de la musique, essayez de vous mettre une petite musique de fond. Plutôt des musiques de Hertz ou autres, ou des bols tibétains, qui vous permettront en fait d'avoir un petit son de fond, mais sans trop empiéter sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc voilà, essayez d'être vraiment à votre écoute. Et sachez aussi prendre du recul. Essayez de savoir prendre du recul sur des situations que vous pouvez vivre, sur ce que vous faites actuellement, est-ce que ça vous convient. Parce que des fois, comme je vous disais aussi, on a trop la tête dans le guidon et donc du coup, on prend pas de recul et on sait pas trop ce qu'on fait. Et puis c'est peut-être après où on va dire « Ah mince, j'aurais préféré faire ça comme ça ». Donc essayez de prendre du recul assez régulièrement. Je vous dis pas de remettre en question toute votre vie, tout ce que vous êtes en train de faire, mais juste de prendre un petit peu de recul et de vous dire « Ok, là, je vais dans la direction que je souhaite. Ok, ben là, c'est moins la direction que je voulais prendre. Je vais essayer de recentrer un petit peu pour repartir dans la direction que je voulais à la base initialement. » Ou des fois, on peut s'apercevoir que c'est pas la direction qu'on souhaitait, mais que c'est celle-là la meilleure et c'est celle-là qui sera la plus judicieuse. Donc, sachez prendre du recul. Ça va vous aider également à déjà avoir un petit peu moins de regrets et à apprendre à vous connaître aussi et à étudier différentes possibilités que vous n'auriez pas forcément vues avant. Donc, tous ces points, en fait, ça va vous permettre de mieux vous connaître, d'apprendre à vous recentrer et ça va vous apprendre vraiment à aller là où vous voulez aller et à pas faire les choses parce qu'on vous a demandé de les faire, parce qu'on vous a demandé d'aller là, de faire ci, de faire ça. Vous allez être vraiment plus en accord avec vous-même, avec votre corps, votre esprit, et ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Namasté.